mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 15 juin 2023, ce matin avec Espoir Mounouka, militant de la lutte. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs. Oui. Bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien? Ça évolue petit à petit malgré les douleurs. Au niveau des nerfs ici, ça ne va pas, mais on tient debout toujours. D'accord. En tout cas, nous apprenons qu'il y a eu reprise des affrontements depuis 5h30 entre les M23 et les groupes d'autodéfense dans les territoires de Masisi. Les combats sont en cours sur deux axes, à savoir Kibarizo, Kahiri et Butare. Et nous apprenons la dernière nouvelle que les rebelles du M23 viennent de récupérer le village de Lufulandi, se trouvant dans le groupement de Butare, Monaster Mokoto, après en tout cas 9 km de Kahiri en territoire de Masisi. D'intenses affrontements avec les Wazalendo se poursuivent à Kasopo, Rutamira et avancent vers Kasura en destination de Kahiri. Situation des 8h ce matin, jeudi matin. Oui. En fait, vous savez, nous félicitons d'abord nos compatriotes, les Wazalendo, qui ont accepté de braver la peur, de ne pas suivre cette histoire qu'on nous trompe du jour au jour, que les terroristes se sont retirés, les terroristes ne sont plus à Masisi, ne sont plus à Rutshuru. Mais grâce à la vigilance, et quand nos compatriotes, puisque nous sommes renseignés sur ça, ils étaient toujours dans leur patrouille de routine, patrouille de reconnaissance, c'est comme ça qu'ils ont vu que ces terroristes sont encore sur place. Et ils étaient obligés de répondre farouchement, puisque on ne peut pas accepter que cette communauté internationale, que cette communauté de pays membres de l'EAC nous trompe, que ces terroristes sont retirés, or ils sont encore sur place. Mais nous croyons que nos compatriotes vont gagner cette bataille. Ça, nous sommes sûrs et certains. Et là, on dit que les M23 avancent déjà, c'est inquiétant. Mais... Non, oui, ça peut inquiéter puisqu'ils avancent, mais je ne crois pas qu'ils vont avancer de quelques kilomètres, je ne le crois pas. Ça peut être qu'on les tire dans les zones où les gens maîtrisent peut-être. Moi, je crois que comme le combat est encore en cours, on ne peut pas dire qu'ils avancent ou bien on ne peut pas dire qu'ils vont avancer. Non, je suis sûr et certain que nos compatriotes vont défendre la terre de leurs ancêtres, la terre que Dieu avait laissée à leurs ancêtres. Alors, mais que cherche les Rwanda concrètement, monsieur Aspiré? Vous avez lu les rapports de Human Rights Watch. C'est pourquoi hier nous avions dit à nos compatriotes de bien lire ces rapports pour bien comprendre les contours de cette guerre. Le Rwanda cherche à étendre son influence dans les Masisi, dans les Rutshuru, uniquement que pour avoir le contrôle total sur nos ressources naturelles. Depuis le début de cette guerre, ils ont perdu beaucoup de biens. Ils ont perdu beaucoup de biens, ils ont perdu des personnels, ils ont perdu des officiers, ils ont perdu même l'argent qu'ils avaient, ils ont tout perdu. C'est pourquoi ils veulent la guerre à tout prix. Et lorsqu'il y a la guerre, peut-être qu'à travers la guerre, ils vont profiter à écouler quelques minerais qu'ils vont voler, voyez-vous. C'est qu'eux combattent, ce n'est pas seulement pour récupérer les territoires, non, c'est aussi combattre pour avoir comment est-ce qu'ils peuvent voler les minerais. Mais nous disons quand même à nos autorités de bien se concentrer sur tout sécuriser nos zones minières. Et hier, je ne sais pas si tout le monde, nous avions déjà lu les communiqués de la société civile de Nyiragongo, qui dit que les M23 ont déjà installé d'autres familles dans les Nyiragongo et dans les Rutshuru. Et dans les communiqués signés par nos compatriotes de la société civile de Nyiragongo, ils ont dit que les M23, ils ont déjà procédé à la destruction des bornes ou signalisations qui signalent les limites entre le Rwanda et le Congo, voyez-vous. Et ça doit interpeller tout le monde. Ça doit interpeller ceux-là qui restent encore dans la distraction, qui ne veulent pas combattre l'ennemi, puisque l'ennemi a beaucoup de velléités, et c'est parmi ces velléités, il revient toujours sur ces velléités expansionnistes. Et ça sera ce sera quoi la solution à cela? Non, la solution, ce n'est plus reculer en arrière, ce n'est plus repousser. Il faut changer les slogans, changer aussi nos techniques. Nous devons ramener la guerre là où la guerre est venue. Si la guerre est venue du Rwanda, nous devons ramener la guerre au Rwanda.
Comme la guerre est venue de Lugano, on doit ramener la guerre là où la guerre est venue. C'est qu'il faut poursuivre les rangs jusqu'à ces derniers tranchées. Et si on ne fait pas ça, je crois qu'ils vont se dissimuler au nom de cessez-le-feu, au nom de au nom de cessez-le-feu surtout. Puisque lorsque nous, on s'est dit que non, on a, le gouvernement respecte les cessez-le-feu, mais ils trouvent cette opportunité de renforcer leur ligne, de renforcer leur militaire, de renforcer leur personnel sur les champs de bataille. Voyez-vous. Et les ACLA, c'est pour diper et distraire nos autorités. Et certaines de nos autorités, peut-être, qui seraient des complices. Puisque moi, je ne comprends pas comment est-ce que... nous l'avions toujours dit. C'est pendant la calmie qu'on prépare la guerre. Cette trêve qu'on a observée, normalement, notre gouvernement devrait déjà avoir mis tout en place pour barrer route à ces terroristes, voyez-vous. Mais certaines de nos autorités, elles préfèrent que ça reste comme ça. Et ils sont cantonnés là-bas, nos militaires sont là-bas, ça reste comme ça. Or, nous, les nationalistes, nous, les fils du pays, nous, les fils des terroirs, allons-nous accepter de continuer de voir les gens, ceux-là qui ont violé, sont là. Et puis, nos militaires sont là en train de croiser les bras. Non, personne ne peut accepter ça. C'est pourquoi vous voyez que ces jeunes dans les Massissi, ils se sont réveillés tôt le matin avec très en colère. C'est pourquoi ils ont pris l'assaut cette histoire. C'est que la solution, c'est de ramener la guerre là où la guerre est venue. Point barre. Et fixer nos limites selon que les Belges avaient laissé nos limites. Comme ils ont procédé à la destruction. Peut-être demain, ils vont procéder à la destruction d'une autre partie, voyez-vous. Alors, donc il faut que le gouvernement engage tous les moyens possibles pour mettre hors d'état de nuire. Non, c'est ça la solution. La solution, c'est de ramener la guerre là où la guerre est venue. Et pour ramener la guerre là où la guerre est venue, c'est de mettre tous les moyens en pratique. Si on mettait tous les moyens que le Congo dispose à la disponibilité ou à la disposition de nos FRDC, je crois qu'on peut gagner cette bataille. On nous a dit que nos compatriotes qui étaient en formation ont fini, mais qu'on les amène ici. Nous sommes une nation, nous sommes une puissance. Nous avons une population majoritairement jeune. Mais comment fait-il qu'une population composée par des personnes affamées qui ne viennent ici que vendre les Viraï Koumangou peuvent négliger toute une puissance comme le Congo? Non, c'est révolu. Nous devons quand même bien capitaliser cet amour que les Congolais prouvent vis-à-vis de leur république. Les Congolais de l'extérieur du pays, ils montrent leur soutien à la RDC. Les Congolais vivant au pays, surtout nous vivant au Nord Kivu, nous montrons toujours notre soutien et attachement indéfectible à la république. Mais les autorités ne veulent pas capitaliser ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cette naïveté de certaines autorités? Mais quand même, on a vu le ministre de la Défense, c'est comme s'il est venu avec une décision forte. Hein. Non, la décision forte devrait être celle de reprendre le combat une fois pour toutes et ramener la guerre là où la guerre est venue. Mais attention qu'à cela ne tienne. La guerre se mène sur plusieurs fronts, diplomatiques et aussi militaires. Sur le plan diplomatique, je crois, oui, on a bougé. Mais est-ce que notre diplomatie nous a dit que nous devons rester sur le terrain seulement, croiser les bras? Non. On ne peut pas négocier ce que l'ennemi a pris par force. Mobutu, c'est Mobutu qui le disait. Ce que l'ennemi a pris par force, on ne peut pas le négocier pour le libérer. On doit le prendre par force. Ce sont des terroristes bien identifiés. Nous savons leur pays d'origine. Nous savons là où ils sont venus. Et nous devons les poursuivre de gré ou de force en fait qu'ils libèrent nos territoires. Point barre. Ce ne sera pas facile. Non, je crois que c'est facile. C'est tout simplement la détermination. Nous savons que nous avons des compatriotes de double mouton entre nous. Mais cela ne peut pas empêcher que nous ne puissions pas gagner cette bataille. Vous avez vu, à cause de simples questions, certaines personnes commencent à mettre du tribalisme même dans la guerre, voyez-vous. Or, nous devons nous unir, nous comme Congolais, ceux-là qui acceptent qu'ils n'ont pas autre pays que le Congo. Nous devons nous mettre ensemble et d'accord pour mener cette bataille. Nos compatriotes qui sont dans la brousse, qui passent jour et nuit, nos Wazalendo, nos militaires, et ils sont sur les lignes de bataille. Nous, ici, dans la ville, nous devons aussi assainir la ville. Et assainir la ville, c'est aider nos autorités à avoir de vraies informations. Mais le sérieux problème, quel genre d'autorité? C'est ça aussi le sérieux problème. Vous avez vu combien d'autorités qui ont été arrêtées dans cette histoire, poursuivies dans cette histoire, soupçonnées d'être derrière cette histoire, voyez-vous. C'est qu'aujourd'hui, même nous qui sommes dans la ville, nous avons de la boule au ventre. Nous ne savons pas devant quelle autorité qu'il faut se confier.
qui est cette autorité qui est d'accord avec cette cause congolaise? Qui est cette autorité qui n'a jamais lynché dans les mains de Kagame? Voilà, ce sont les autorités que nous, on devrait, avec qui normalement, on devrait collaborer avec. Ouais. Mais quand même, on voit le président Tshisekedi avec la volonté de mettre tout et de ramener la sécurité. Exactement, le chef de l'État, il est très très déterminé. Quand même coup de chapeau et il n'est pas le seul aussi, c'est aussi avec la population congolaise, voyez-vous, parce que si la population congolaise n'était pas d'accord avec cette résistance, l'ennemi devrait prendre la ville. Puisque vous avez vu, à un moment donné, la MONUSCO commençait à nous faire taire, la MONUSCO commençait à nous faire peur. Non, ils sont beaucoup armés, ils sont lourdement armés, plus que même les éléments de la MONUSCO, tout ça, beaucoup de choses. C'était une campagne que la MONUSCO montait pour eux uniquement, que pour pousser la population à fuir leur propre résidence, afin de laisser les champs libres à l'ennemi. Voyez-vous. Mais quand même, la population, on a résisté face aux intimidations, on a résisté face aux menaces, et les autorités, quand même, le chef de l'État, j'ai vu, c'était la première décision peut-être utile que l'Assemblée nationale avait décidé de prendre, c'était refuser de négocier avec les 1-23. C'était quelque chose quelque chose qu'il fallait encourager. Mais à part ça, ils n'ont jamais pris une autre décision allant dans le sens où on doit poursuivre tous les terroristes, voyez-vous. Et quand même, on félicite cette détermination et courage du chef de l'État qui a aussi nié de négocier avec ces terroristes. Puisque nous, la population, on a accompagné nos FARDC, mais on n'a pas accompagné nos FARDC puisque on a peur. Non, on a accompagné nos FARDC puisque tous nous aimons de la même manière notre République et nous sommes fatigués de fuir. Nous n'allons pas accepter que nous sommes chez nous sur la terre où vivaient nos ancêtres, la terre que Dieu nous avait léguée, de fuir et laisser ça aux autres occupants qui puissent occuper nos maisons, nos parcelles. On a refusé ça. C'est pourquoi on a résisté. Et ça devrait être aussi la leçon que devraient profiter certains ministres, certains députés. Malheureusement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Si le chef de l'État avait des personnes dignes autour de lui, on devrait déjà gagner cette bataille. Donc, vous n'avez pas confiance en nos élus? Non, nous, quel genre d'élus? Les députés nationaux. Les députés qui, lorsqu'il y a crise au pays, ils préfèrent acheter 20 000 billets pour des concerts. Imaginez 20 000 dollars. Si on pouvait injecter ça même dans notre service de renseignement, mais c'est beaucoup de choses. On pouvait prendre ça comme contribution, mais vous achetez ça pour des concerts dont nous ne savons même pas l'origine, autre chose. Moi, je crois que nous devons prendre la conscience nationale. Nous devons comprendre que le pays est en danger. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qu'il nous faut faire d'une manière urgente? C'est d'organiser des concerts, c'est de danser, c'est de boire, ou bien nous focaliser, organiser des thématiques de réflexion pour notre pays. Voyez-vous, c'est que si les chefs de l'État avaient de bons conseillers, normalement, avec sa volonté, on devrait déjà devenir une puissance. Nous avions marché pour que nous puissions lever l'embargo. L'embargo est levé, mais ces gens ne réfléchissent pas dans l'angle de dire au chef de l'État, excellence, l'urgence, c'est d'acheter ça et ça et ça. Bon, est-ce que c'est puisqu'ils ne savent pas? Est-ce que c'est puisqu'ils aiment l'argent? Est-ce que c'est puisqu'ils veulent sacrifier ce qu'a dit lui seul? Non. Si les chefs de l'État ne parvenaient à gagner cette guerre, nous n'allons pas dire que c'est Félix seul qui a échoué. Non. Nous allons dire les gens de la Mouka ont échoué, les gens de Katumbi ont échoué, les gens de Fayulu ont échoué, FCC ont échoué. C'est que tout cela, non. Si nous parvenons à vous élire, c'est pour que vous puissiez nous représenter sans tenir compte de vos tendances politiques. Non, sans tenir compte de vos tendances politiques. Vous n'êtes pas politicien pour mettre des bâtons dans vos roues. Non, vous êtes politicien pour que votre politique puisse profiter de la RDC. C'est pourquoi moi, je n'envie jamais la carrière politique. D'accord. Il y a cette question qui est un peu pertinente, Mouinouka. Cher Kabumba, qu'attendent les FARDC pour venir en appui au groupe d'autodéfense qui, du reste, mène des actions de grandes envergures, voilà. Veuillez nous en dire plus. Moi, je vous pose cette question. Vous savez, nous sommes une nation, nous avons une armée bien éduquée et disciplinée. Et l'armée est commanditée malheureusement par les politiciens. Et la décision ne revient pas à l'armée de prendre telle ou telle autre décision sans consulter les autorités, voyez-vous.
Vous savez, la RDC, nous avions accepté, a accepté de respecter les cessez-le-feu. Mmh. Et sous cette histoire de respecter les cessez-le-feu, c'est ce qui est à la base, ce qui cause que les FRDC ne puissent pas attaquer ni venir en aide ses compatriotes Wazalendo qui combattent ces terroristes. Mais ni t'étais les cessez-le-feu, normalement, les FRDC devraient combattre à la place de ces Wazalendo, voyez-vous. Mais moi, j'espère qu'il y a beaucoup de mesures qui sont en pleine préparation. Et ces mesures, je crois, comme vous avez suivi le chef d'état-major général la fois dernière, nous avions suivi le commandant ici de la 34e région, nous avions suivi les ministres lui-même de la Défense, y compris même le gouverneur, lorsqu'il avait dit que les Rwandais renforcent. Je crois que dans les jours à venir, si ça continue ainsi, pour éviter que ces gens ne puissent se dissimuler au sein de la population, je crois que beaucoup de choses seront mises en place. Et nous demandons simplement à nos compatriotes, à nos téléspectateurs, toujours d'avoir cette patience et aussi continuer toujours à soutenir la RDC, soutenir toujours nos FRDC, on va gagner cette bataille. C'est que, vous savez aussi, c'est interdit aussi que l'armée, que les forces loyalistes puissent combattre du côté des forces négatives, voyez-vous. Mais je ne dis pas des forces négatives, les Wazalendo, puisque comme vous le savez, il y a ces groupes armés qui existaient jadis, voyez-vous. Et c'est que là, il y a beaucoup de la matière. Et nous attendons tout simplement voir la décision que va prendre le gouvernement, puisque on ne va pas accepter que les jeunes combattent eux-mêmes et que l'armée est à côté. Non, l'armée va combattre aussi. Que nos téléspectateurs, que nos compatriotes gardent leur mal en impatience. Les FRDC combattent et les FRDC ne vont pas croiser les bras. Ils combattront. Un an d'occupation de Bounagana, l'administration du M23 fonctionne sous l'œil de la force de l'ESC. Du coup, je vois des commentaires ici. Tu veux qu'il fonctionne sous l'aide de toi, Maïma. Écoute, on commence. Non, en fait, vous savez, hier, j'ai reçu l'appel d'un compatriote. Bon, je ne sais pas si je vais le qualifier compatriote ou qui. Mais il m'a appelé, il m'a dit qu'il est congolais de père et de mère. Et puis il m'a dit, ah, c'était en Swahili, Ulikoma, on t'a fouetté et la prochaine fois, c'est ta tête qui va partir. Tu dois te taire, éviter de dire ce qui ne te concerne pas. Bon, j'ai dit oui, voilà, c'est une bonne affaire. Si vous parvenez à amener ma tête à Kigali, mais tu seras payé, on va te payer, mais tu vas... On va le payer puisque il aurait pris la tête que cherche Kagame. Moi, je me dis, mais ça sera une bonne mort, puisque on va me tuer, puisque je défendis le pays. Même si on te traite de maï-maï, mais c'est pas grave. Tu es maï-maï, puisque tu as refusé leurs offres, leurs appels, leurs demandes. Tu t'es concentré sur ce que toi, tu trouves essentiel. C'est ça, la vie, normalement. Il y a ceux-là qui croient qu'ils vivent, mais ils sont des personnes mortes. Ils sont des personnes mortes, puisqu'ils ne font rien pour leur république. Quant à la question liée à l'occupation de Bounagana, c'est des pays qui occupent Bounagana, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Et je crois, non, c'est pour un moment. Nous allons récupérer ça. Et il faut dire à la personne qui commande ça que les FRDC ne dorment pas. Vous savez, nous avions une armée infiltrée composée par les personnes d'ici, de brassage, de mixage, d'insertion, je ne sais pas quoi et quoi. Et cette armée, vous avez vu combien de personnes ont fait des défections au sein de l'armée pour rejoindre les anciens camarades, voyez-vous. Les anciens camarades. Exactement, d'ici CNDP 23... Exactement. Le CNDP n'existe plus. Là, on avait déjà trouvé une solution, espoir. Non, la solution n'a jamais été trouvée. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux, c'est le M23. Non, ce sont leurs petits-fils. Les grands-pères, c'est RCD. Les pères, c'est CNDP. Les petits-fils, c'est M23. A, M23B. Mais demandez ici à la 34e région. Demandez ici aux opérations Sokola. Demandez les capturés qui sont capturés. Est-ce qu'entre eux, il n'y a même pas les anciens RCD, les anciens CNDP, les anciens M23? Voyez-vous? Et ceux-là qui ont fait défection au sein de l'armée, ils sont d'où? Est-ce que ce ne sont pas les anciens RCD, les anciens CNDP, les anciens M23? Ce sont les mêmes. Merci beaucoup, Espoir. On va finir par là et puis par la mobilisation des Calais. Ouais.
En fait, la mobilisation, les chiffres restent les mêmes. Les chiffres ne bougent pas. Nous sommes toujours sur les 1600. Les promesses ne sont pas encore réalisées. Il faut préciser, en tout cas, les samedis, vous allez partir. Exactement. C'est qu'on commence c'est les samedi. Achats. Oui, on commence les achats. Aujourd'hui même, et demain, nous allons être dans cette cadence de faire les achats. Et les samedis, nous allons devoir quitter la ville de Goma. Il y a notre maman qui nous a appelé pour dire qu'il va toujours prier pour notre voyage, puisque la maman a eu peur que ces gens peuvent nous rencontrer en route et nous faire du mal. Non, soyez calme, personne ne nous touchera. En fait, chers compatriotes, nous avions lancé cette mobilisation pour mobiliser quelques fonds que nous devons amener à nos compatriotes de Kalehe. Et des Congolais de bonne foi, ils ont contribué, ils ont fait quelque chose, et d'autres Congolais ont promis, ils peuvent même réaliser, même pendant notre séjour, pendant notre voyage, et ils peuvent réaliser encore même aujourd'hui. Vous savez que le Congo avait perdu plus de 425 personnes, et le Congo a perdu plus de 5000 disparus, que nous craignons que demain, après-demain, eux aussi, peuvent être déclarés des personnes mortes. Et les Congolais, vous nous avez appuyés, vous nous avez soutenus pour que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes. Et notre mobilisation s'arrête, je crois, demain, ou bien même aujourd'hui, on va boucler avec la mobilisation. Les personnes de bonne foi, vous nous avez appuyés et nous sommes très très contents de votre appui. Nous sommes sur le 09 90 66 42 08. Vous pouvez toujours encore nous contacter sur ces numéros, soit pour les orientations, pour des conseils, ou bien toujours contribuer sur ces mêmes numéros, puisqu'on peut toujours recevoir. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bye bye.